Le président camerounais Paul Biya critiqué a étudié les dernières nouvelles parues en ce matin. Ça annonce toujours un peu bizarre. Que va-t-il se passer? D'autant plus que l'échauffourée monte à la présidentielle entre Paul Biya et Ferdinand. Pour plus de détails, après le générique. « 80 ans du débarquement partiel de provenance vis-à-vis de l'apartheid concernant la France et le Cameroun. » Le discours du président du Cameroun, Paul Biya, 2 mois après les commémorations du débarquement partiel de Normandie. Le président français Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants africains ont célébré le jeudi 15 août 2024 le 80e anniversaire de l'opération Dragon, son équivalent en provenance de l'épisode méconnu mais essentiel de la libération de la France, occasionné d'un hommage aux combattants des ex-colonies françaises. Le président du Cameroun, Paul Biya, a pris part. Il a pris de la parole au nom des chefs d'État étrangers. Le président camerounais, Paul Biya, a pris de la parole et a lâché une dernière information tellement attirante. Le chef de l'État tient à améliorer la fourniture de l'accès à l'eau potable au profit des Camerounais en ce mardi 20 août 2024, à l'occasion de la mise en service officielle des installations du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Esomba, a annoncé que le président de la République de Côte d'Ivoire a sorti le chéquier pour l'amélioration de l'accès à l'eau au Cameroun. Paul Biya a décidé d'octroyer ainsi d'un appui spécial de plus de 10 milliards de francs CFA à la Kamwata afin que les travaux usants puissent être effectués sur le réseau de distribution de l'eau au Cameroun, a déclaré au IFO M. Gaston Elundu Esomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Selon le membre du gouvernement, le projet prépayé devrait mettre un terme au déficit en eau potable de la ville de Yaoundé en apportant dans sa phase initiale un complément de plus de 300 000 m², puis un déficit octroyé par le président camerounais Paul Biya de plus de 400 000 m³ par jour dans la phase d'extension. Il permettra ainsi également de couvrir les villes et localités riveraines, notamment Bartinga et Obala, plusieurs autres localités sans oublier Soin et Ntui. De l'autre côté, une nouvelle annonçant le cas de Ramon Kota. Ramon Kota et ses proches collaborateurs. Ramon Kota risque d'être arrêté. Nous avons pu échanger pendant 2 heures de temps dans la cellule de sûreté du tribunal militaire de Yaoundé avec la pression de monsieur le commissaire du gouvernement tout juste après le dépôt de notre lettre de constitution d'avocat à ses côtés. Cela marque ainsi la fin de sa détermination. La fin de la détermination de Ramon Kota. Le gouvernement en place profite de l'occasion et mobilise les autres partis politiques. Il déclare avoir eu un entretien avec ainsi Amogo Bellinga et Bruno Bizan. Son téléphone est sous expertise et sa carte de résidence confisquée à la DGRE, ainsi que plus de 27 millions de francs CFA qu'il avait dans son porte-monnaie au moment où on l'avait arrêté autrefois.